Voilà. Donc, on est de retour avec la dame de pique. Hop là, on va faire un gros plan sur madame. Pardon. On va faire le point. On va lui faire une tronche bien. Voilà, la dame n'est pas commode. Est-ce que j'ai mon croquis quelque part ou pas? Ouais, mais dis pas que je vais chiffonner si je vais chiffonner. Je suis con à ce point-là. Ouais, je crois bien. Bon, c'est pas grave. Parce que là j'ai l'impression que c'est déjà mal parti. Tac. Alors, qu'est-ce que j'avais dessiné? Ah, où est-ce que j'ai mis ce truc? Ah.
Allez là. Oui. Sourcils aussi, tiens. On va lui donner tout ce qu'il faut pour plaire, cette charmante dame. L'occasion de déterminer un petit peu quelles sont la couleur de des yeux de mes orques. Alors attends, parce que là tu vois plus ce que je dessine, on va reculer un petit peu.
Donc pour rappel, hein, ce que je voudrais avec ce personnage, c'est de créer vraiment une figure très imposante qui, quand tu la vois, t'as pas trop envie de te frotter, quoi. Ok, je vais donner un bon coup de gomme partout. Et on va se refocaliser sur la tranche. Je vérifie qu'on est bon en termes de... Hey Caldeon, salut, salut! En termes de... grosseur côte à côte, ouais ça va. Ah bah de toute façon, elle est pas là pour te faire un câlin quoi. Concentrer sur sa tête parce que ça va être la partie la plus intéressante et la plus importante.
Mon dessin, à ton avis, je commence par les pommes ou le panier? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le panier ou les pommes? On sait tous les deux la réponse. Donc commence par le panier. 5, qu'il te fasse plaisir sur les pommes si tu merdes le panier. Donc autant démarrer avec le panier. Comment ça va, Kaelion? T'as passé une bonne journée? Bref, malade, mais ça va. Ah, malade. C'est chiant ça. Que je lui mettrais pas un anneau dans le nez.
Oh non, pas forcément. Parce qu'elle a que des petits crocs, donc ça va être compliqué. Sur le roi, ouais, peut-être bien. Hey Barlow, Olympic Pen, Drawing Champion. Ah oui. Nice reference with the Olympic game. Which I don't really care right now. Hi. I will follow the swords. No idea how you call that in English. Ice cream.
fencing? Yeah, I think that's the one. But that's something I'm doing myself, so I'm more interesting about that than the rest.
Ouais. Ce sera pas une jolie bonne femme. Hein. Ça, c'est pas une jolie bonne femme, c'est un orc. Non, pas forcément. Enfin, de toute façon, les femelles orques sont pas très jolies. Hein. Il n'y a pas énormément de différence entre les femelles et les mâles. Mais je pense que celle la plus costaud, justement, parce que dans le même processus que les hommes, c'est celle qui s'impose le plus. Hein. C'est des guerrières aussi, donc c'est celle qui s'impose le plus qui se retrouve à la tête du truc. Donc, je pense que c'est juste elle la plus costaud et la plus... La plus respectée, c'est tout, c'est pour ça que c'est la dame des orques. C'est que des rapports de force hein, chez les orques. C'est toujours le plus costaud qui va. C'est un peu comme chez les gorilles, quoi. De temps en temps, s'il y en a un qui veut être le chef, ben, il vient provoquer le chef. Et vu la gueule du roi, bon courage. Hey Barlow, non, c'est quoi? Comment on devient chef? Chef, c'est ça. C'est exactement ça. Attends, j'ai eu un bug tout à coup là.
Oui, puis les femelles orques sont pas trop non plus attirées par tout ce qui brille et les bijoux, etc. Sont plutôt excitées par la force, en fait. Sont un peu excitées par tout ce qui est plus fort qu'eux. S'il y a baston et puis que l'autre il commence à avoir le dessus, là, ça commence un peu à l'intéresser. Sinon, elle se casse ailleurs. Ah ouais, non mais ça rigole pas chez les orques. Hein. Ils brillent pas par leur intelligence non plus, quoi. Que comme tu peux le voir à son collier et tu peux le voir à sa bouche, les orques, les femelles ont des petites dents, les dents plus petites que les mâles. Il n'y a pas beaucoup de petites dents sur son collier. Donc à mon avis, là il y a quelques prétendants qui ont tenté leur chance. On va mettre une petite là. Ça, c'est une qui lui a cassé les bonbons. Comme le gobelin. Le gobelin, il avait un. Quoi comme le gobelin? Ouais, mais je lui ai enlevé parce que les gobelins, ils ont pas de petites dents en fait. Enfin, ils ont des dents pointues, mais il n'y a pas de crocs qui dépassent. C'est
pour ça que je lui ai enlevé. Ça faisait bizarre. Ça permet de faire une distinction entre les gobelins et les orques comme ça. Si tu vois des crocs qui dépassent, c'est des orques. S'il n'y a pas de crocs et qui sont plutôt fins, avec un nez un peu long. C'est un gobelin. Ok, bon bah écoute, on a les fondements de la tête. Je pense qu'on sera prêt pour demain soir comme ça. On a un bon départ là. On va encore avoir un personnage intéressant. Je suis content que personne joue les orques parce que ça me permet de me lâcher un peu sur la mocheté du personnage. Ce qui serait un peu plus délicat pour les autres. Et tous les autres sont joués par quelqu'un. Dès que je l'aurai scanné, je mettrai mon valet aussi là-haut. J'aurais pas dû faire ce trait là, ça m'emmerde maintenant. Bon, on va voir, ça va peut-être disparaître petit à petit. Hey Witabix, ça va? T'arrives 2 minutes avant que je finisse, c'est ça? Tu viens admirer la dame des orques. Live de 45 minutes, bah c'est que j'ai arrêté le valet parce que je l'ai terminé. Et pour que ça soit un peu plus rangé dans mon YouTube, en général quand je démarre une autre carte, j'arrête le stream et j'en redémarre un autre avec la nouvelle carte. Donc il y a eu un petit stream avant, enfin il y a eu un stream avant et pour finir celle-ci, et c'est juste qu'on a redémarré. Ouais, je le trouve cool aussi, ouais, je l'aime bien. De toute façon, l'idée c'est quand même de faire... C'est quand même faire que des personnages cool. Il est hein. L'or de se réveiller, Monseigneur. Ah ouais, tu vois, voilà. Il est 8 heures. C'est ce que je disais. Quand je te disais que c'est bientôt l'heure que je parte, je mentais pas. Donc on va essayer de faire en sorte que chaque personnage soit atypique en tout cas. Merci. Je vais essayer de faire en sorte que chaque personnage soit atypique. Que chaque personnage voilà, ait bien son caractère à lui. C'est vraiment voilà. Dans la culture des orques, c'est tout en rapport de force.
le roi des orques est sur son trône parce que c'est lui le plus fort. La dame des orques, c'est pareil. Hein. Si tu veux devenir dame des orques, il faut que tu lui mettes une branlée. Donc si c'est elle qui est au pouvoir à côté de son roi, il y a une raison. Donc voilà, il faut quelque chose de balèze en face, quoi. Donc demain soir, je reviens demain soir avec. Ah ben, je pense que elle, si elle a une chance de mettre une branlée au roi, elle prend sa place, hein, y a pas de problème. Y a aucun problème, ça marche comme ça chez les orques. C'est le plus costaud qui commande. Mais bon. Ouais, donc je disais, je reviens demain soir. Qui c'est ? De Ar, qui suit Aaron. Mutabix, c'est quoi ce petit le casque? Un casque de quoi? Il est sympa ce petit casque. Casque du loup enragé, d'accord. Merci pour ton follow, Aaron. Waldwin, je sais pas qui a follow. Normalement c'est Aaron, mais là je suis sur le point de partir. Je vais regarder qui c'est qui stream histoire de faire un petit raid. Il n'y a pas grand monde. Steve Sketches, on va aller voir ce que fait Steve Sketches. Bon, c'est du numérique. On va peut-être aller voir Chapeau, il est un peu barré mais. Des fois, il fait des trucs sympas. Ça va être la surprise. Sup, Internet. Je sais pas ce qu'il raconte. Ou alors, on va voir complètement quelqu'un d'autre que je connais pas. Un truc que j'ai eu, c'est Elder Ring, alors que j'aime pas du tout. Ah, d'accord. Oh, elle m'a l'air bien décalée, elle aussi. On va aller essayer ce... Je connais pas du tout. Mais elle est en train de faire de la peinture à l'huile. Ça a l'air bien sympa. Ça va être une nouvelle personne pour moi aussi. Mais ça a l'air assez cool ce qu'elle fait. Je vous impose pas mon générique de fin ce soir. J'ai pitié. Alors, à demain soir. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être passé. Bonne nuit. Des gros bisous. Et à dimanche. Salut! Now you're level 4. Level 4? Fourth place. Oh my flippity-doo! Thank you so much, Ellen Barbeau, for the delicious...